est un verdict lourd pour Patrick Balkany. Sévère, hein, le verdict. D'abord, le réquisitoire des deux procureurs de la République avait été sévère. 4 ans d'emprisonnement assorti de mandat de dépôt, vous le disiez, ça veut dire incarcération immédiate. Hein. C'est assez rare pour être souligné. Le président du tribunal a pris le temps d'expliquer, de motiver cette décision. Patrick Balkany était à la barre aux côtés de sa femme qui a demandé au président de pouvoir aller s'asseoir juste avant d'entendre le délibéré. Le président l'a dit, Patrick Balkany est condamné à 4 ans de prison avec mandat de dépôt, incarcération immédiate. Il l'a justifié en expliquant d'abord que c'était un homme politique et qu'il y avait un devoir d'exemplarité qui n'a pas été respecté. Il est revenu sur les avoirs, l'enrichissement personnel des Balkany en disant que la fortune qu'il déclarait avoir eue en héritage n'est pas justifiée. Le président du tribunal a pris également le temps d'avertir la salle en disant « Je vous préviens, pas de réaction à l'issue de ce délibéré. » Isabelle Balkany, elle, a été condamnée à 3 ans de prison, mais le président du tribunal a dit, hein, sans mandat de dépôt, à ce moment-là, elle se retourne vers son avocat pour lui dire « je vais en prison, je vais en prison ». L'avocat lui expliquera que sans mandat de dépôt, ça veut dire qu'elle aura un aménagement de peine, en tout cas, elle n'ira pas en prison tout de suite. C'est le cas de son mari, Patrick Balkany, qui lui, ce soir, très probablement, va dormir en prison. Il a la possibilité, évidemment, via son conseil, Maître Dupont-Moretti, d'interjeter appel de cette décision. Je vous rappelle également que dans le même dossier, mais sur une autre volée, le 18 octobre prochain, le tribunal se prononcera également, mais cette fois dans le volet blanchiment de fraude fiscale. Et là, les procureurs avaient eu la main encore plus lourde. Ils avaient requis contre Patrick Balkany jusqu'à 7 ans de prison. Merci beaucoup, Karim Hakiki.